Salut, c'est Siro et bienvenue sur Music Your Life. Alors, tu l'as sûrement remarqué, depuis que j'ai sorti la formation Guitare Flamenca, il y a eu des petits changements sur le blog. Déjà, j'avais terriblement besoin de vacances, chose que je sais assez peu faire. Et là, ça devait faire, je sais pas, 5, 6 ans que j'avais pas pris de vacances, de réelles vacances. En fait, j'avais pris quelques jours de vacances quand est tombé le premier confinement. Et je voulais aller à Séville, et si tu me suis, tu le sais, ça n'a pas été possible. Il se trouve que j'avais tellement la tête dans le guidon ces derniers temps, ces dernières années, hein, entre les différentes activités professionnelles que j'avais, les répétitions en groupe, les concerts, les participations studio, mon travail musical personnel et le blog. Donc, même si tu me suis peut-être depuis pas longtemps, moi j'étais, je pense, ce projet depuis 2016. Donc là, il a fallu que je fasse un truc que je suis très mauvais, que je sais pas vraiment faire, c'est prendre de réelles vacances. Hein. Donc tout le mois de février, c'est la raison pour laquelle tu as vu que je postais des trucs qui n'étaient pas fondamentalement musicaux, même si je pense que ça reste inspirant. Donc moi le projet c'était je voulais avec le blog, je voulais bouger à l'étranger, te proposer des. Enfin je sais pas, vous rencontrer des cultures différentes, voilà, avoir. Inclure vraiment dans Music Your Life le voyage. Et bon, avec la conjoncture, c'est un petit peu compliqué. Donc, je me suis commencé à me demander l'autre endroit, quel endroit en fait, dans quel endroit je pourrais me sentir bien. Et c'était ici, c'est-à-dire c'est ici en Corse. Hein, ça fait 20 ans que je viens. Et là, du coup, j'étais complètement en train de m'éteindre à la maison. Donc, j'ai décidé de bouger en Corse. Donc, je suis pas encore tout à fait installé, mais ça ne saurait tarder. Bien évidemment, on va recadrer avec énormément de choses musicales. Hein. Cette période-là était une petite transition. Là, d'ailleurs, je suis en train de me remettre à reprendre les affaires en main. Donc aussi, j'ai fait un post dernièrement. Je te demandais ton feedback par rapport à la formation Guitare Flamenca. Donc, si toutefois tu fais partie de ceux qui l'ont pris et qui commencent à travailler avec, bah, j'aimerais voilà avoir ton avis. Et si tu sais pas de quoi il s'agit, bah, tu auras le lien dans la description de cette vidéo. Ce sera le premier lien. Alors du coup, ici, on se retrouve dans un endroit en fait qui est superbe. On est sur un site archéologique qui a été découvert près de Bastia, dans une zone en fait. Qui a été occupé visiblement, d'après ce que j'ai lu, entre le 4e et le 6e siècle. Et ça, c'est aussi quelque chose que moi, j'adore. J'étais déjà allé au Mexique pour visiter des sites sacrés. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, tout ce qui est civilisation précolombienne, site archéologique. Donc là, je me suis dit, on va faire une petite vidéo, puisque le cadre est vraiment sympa. C'est vraiment calme. Et puis, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien d'être ici. Donc voilà pour cette petite mise au point. Quant à moi, je te dis à très 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 vite pour de nouvelles aventures musicales sur Music Your Life. Ciao!